oui, oui. Oui, oui. C'est toi qui conduis, oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Au pays des jouets. Les amis, on va s'amuser. Oui, vive la vie au pays des jouets. Oui! Une surprise pour Monsieur le gendarme. À mon tour de penser à quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé. Mais continue à faire les sandwichs. Il nous en faut des tas et des tas pour le grand pique-nique d'anniversaire de Monsieur le gendarme. La chose à laquelle tu penses, est-ce qu'elle est grande? Non. Est-ce qu'on peut la manger? Oui. Est-ce que c'est... violet foncé? Oh, ce sont des raisins. Non. Je te donne un indice. Les lutins ne les apprécient pas du tout. Il y a beaucoup de choses que les lutins n'aiment pas. Un jouet. Non, les jouets, ça ne se mange pas. Oh, bonjour, mon Zim. Tu viens nous aider? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ces petits violets foncés, tu penses à des framboiseilles. Tu as trouvé. Un tout petit peu aidé par les bêtises de Zim. Mirou, je crois que nous avons assez de sandwichs. Quel succès! Tous les amis de Miniville seront présents au pique-nique. Ça doit être une surprise pour Monsieur le gendarme. Ça en sera une, mais à condition qu'il ne se doute de rien. Oh! Oh! C'est bien que Madame Lucky s'occupe du cadeau de Monsieur le gendarme. Oh! Oui, oui, attention, monsieur le gendarme approche. Attention. Bonjour, oui, oui, ça va, Mirou? Bonjour, bonjour, monsieur le gendarme. Ça va bien? Excusez-moi, je dois filer. Je suis à la poursuite d'un cerf-volant qui s'est échappé. Il y a sûrement quelqu'un qui le cherche partout. Bon, où est-il passé maintenant, voyons? Oh, nous l'avons échappé, Belle. Il a pu voir quelque chose? Non. Mais pendant qu'il est occupé, allons vite chez monsieur Culbuto. Place au grand maître de toutes les gourmandises qui vient juste de préparer le dessert préféré de monsieur le gendarme. Est-ce que c'est de la crème au citron ou alors peut-être à l'orange? Non, cherchez encore. Oh, 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 là, oh, oh, là, oh, oh. Il y a du citron, il y a de l'orange et il y a des framboiselles. Non, chez Culbuto, on dirait que ça balance. Oh non, vite les amis, voilà monsieur le gendarme. Rebonjour, oui, oui. Dis-moi un peu, il y a une très chouette ambiance là-dedans. Ah oui, on discutait justement du cerf-volant qui s'est échappé. Il est parti par là. Ah oui, par là. Bon, eh bien, je vais le rattraper. Oh, 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 il a vu quelque chose. Non, non, mais on a eu de la chance cette fois. On pourrait bien ne pas avoir toujours autant de chance. Il faudrait arriver à l'éloigner un bon moment de la place de la mairie pour pouvoir préparer la fête. Eh oui, sinon, son anniversaire surprise ne sera plus du tout une surprise. N'oublie jamais ça, sournois. Nous autres, les lutins, nous restons toujours en alerte. Nous restons en alerte. Qu'est-ce que ça veut dire, en alerte? Eh bien, ça veut dire que rien ni personne ne pourra jamais nous surprendre. Oh, un cerf-volant. Oh, ça, c'est génial. Oui. Enfin, je veux dire, génial qu'il soit tombé sur nous. Comme ça, personne ne pourra s'amuser avec. Oh, c'est le rigolomètre. Il nous prévient qu'il y a des gens qui s'amusent bien par ici. Et quelle est la règle numéro un chez les lutins? Toujours essayer de gâcher l'ambiance.
va bien? Moi, je suis prêt. Monsieur le gendarme adore repérer des indices. Il est déjà sur la piste d'un cerf-volant échappé. Il suivra la piste des indices que je vais laisser partout. Et je vais l'entraîner loin de la grande place. Pendant ce temps, préparez la fête. Je me demande qui a bien pu laisser des empreintes de pas aussi grandes. Finalement, peut-être bien que le cerf-volant ne s'est pas envolé tout seul. Et peut-être bien que quelqu'un l'a volé. Tout cela est très surprenant. Un voleur de cerf-volant à grands pieds et amateur de gâteaux qui aime bien porter des déguisements et pratiquer les jeux de société. Finou. Fais attention, je suis là. Oh ça alors, regarde-moi ça. Oh, je l'ai bien rattrapé. Un peu de silence, voyons. Chut. Il va être drôlement surpris, monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, s'il y a une chose que je déteste plus qu'un pique-nique d'anniversaire, c'est... Les papillons. Non, c'est bien un pique-nique d'anniversaire destiné à ce gendarme toujours joyeux. Amis, on va tous se cacher. Il faut être prêt à bondir pour faire à monsieur le gendarme la plus belle surprise d'anniversaire qu'il ait jamais eue. Des framboiseilles. Il m'en reste juste assez pour le faire revenir sur la place. Allez, viens, Tim. Alors toujours des pâtes. Oh! Alors ça, c'est une surprise. Vous êtes vraiment tous ici pour moi, mais comment vous êtes-vous débrouillés pour que tout ça reste une surprise? Ça n'a pas été si facile. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Oh, notre panier, il a disparu. Monsieur le gendarme, j'ai découvert un indice. Voyons voir. Ce gâteau a été abandonné par quelqu'un qui n'aime pas les framboiseilles. Les lutins détestent les framboiseilles. On va suivre leur piste, monsieur le gendarme. Rien de rien. On ne trouve plus d'indices. Mais qu'est-ce que c'est? Ces voix viennent de derrière le garage. Oh, c'est peut-être le voleur au grand pied. Oh, j'ai l'impression de reconnaître ces deux voix. Finot et Sournois. Je m'en doutais. J'ai trop mangé. Je suis malade. Moi aussi malade. Bien sûr, il y avait de quoi nourrir toute la ville. Je suis désolée que ces lutins aient gâché votre anniversaire, monsieur le gendarme. Non, non, c'était tout à fait merveilleux, cher Oui-Oui. Et puis, il y a tellement de framboiseilles tout autour de nous. Oh, voilà madame la quille avec votre cadeau.
Hélas, je n'apporte pas le cadeau, Mirou. Mes enfants ont voulu l'essayer et le vent l'a emporté. Regardez ce que Zim nous rapporte. Hein? Oh, le cerf-volant. C'est votre cadeau. Comment? Mais c'est une merveille. Alors finalement, ce cerf-volant évadé était à moi. Ça, c'est une surprise. Essayons le cerf-volant. Oui. Oh,